Thank you.
Schéma du réseau national, je fais les écoulements de charges, les lignes, les postes. Donc j'ai été organisé en 5 régions de transport, de à peu près 30 000 personnes. On était à peine à faire 10 000 personnes. Donc j'ai été
di posti, lo so, la posta, la Nous avons des paliers de tension. On est passé à un palier de 400 kg. Ça, c'est une nouvelle. Parce que des fois, quand tu as la production, et on veut s'évacuer à des distances, on veut s'en vaincre. Il y a des faits. Donc, on est passé à un palier de 400 kg. Il n'y a plus de ça. C'est une forme d'autoroute électrique. Mais maintenant, donc d'ailleurs, oui, là, elle est desservie par une force de 400 kV de pression. Il est bouclé à travers une boucle. Donc, et tout ça, c'est pour minimiser donc, les pertes et avoir une stabilité de la tension. Donc, la qualité de service au niveau donc, du citoyen. On aura une tension stable. La deuxième nouveauté par rapport au réseau, puisqu'on parle du réseau, c'est que le fibre optique. Ça, c'est très important. C'est une décision stratégique à très haut niveau. Nous, on utilise la fibre pour la télécommande de poste, automatique, à distance. Et ici, qui est dans la banque, qui est dans la banque, donc un instant, on peut le mettre rapide pour ne pas pénaliser les citoyens. Et on a un excès donc, qu'on a présenté dans la fibre, qui est mis à la disposition de la GRT. C'est par rapport au réseau donc, de GRT. Donc la région de Hassim Sour, à la droite, Vagdaya, voilà, donc cette wilaya dans deux, jusqu'à tout le monde. Donc on c'est la région de Hassim Sour. Là, donc, c'est la wilaya de Vardaya, à peu près le réseau actuel, les futurs postes, les plus donc ces futurs postes qui sont en cours. Il y a des postes qui sont déjà en phase de réception, les OC. Là, donc, les postes des futurs postes. Les essais, bien sûr, les sensibiliser par rapport à des citoyens, c'est incroyable. C'est des vidéos, donc des travaux sont conscients. Thank you.